l'heure est très grave. Il faut qu'on fasse des communiqués, puisque nos différentes communautés arrivent à comprendre que ce qui se passe dans le jeu, ce qui se passe dans le game, s'il vous plaît, maximum de partage. Dès que tu viens, il faut partager seulement. Yeah. Vous avez une minute de partage, la famille. Maximum de partage, s'il vous plaît. Yeah. Encore les gars. Yeah. Appelez vos amis, appelez vos différents amis de venir suivre au moins le message noble pour vos, à part de votre faux président de l'Assemblée, s'il vous plaît, parce que lui, ce n'est pas un président de l'Assemblée. Voilà, j'ai un très bon message pour lui ce soir-là. Voilà, parce que le message-là, la radio privée ne peut pas vous dire, ni la télévision nationale, ils ne peuvent pas vous dire. Donc, maximum de partage. Yeah, man. Yeah. Ok, les gars. Encore salutations, peuple de Guinée. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose, quelques points. On va souligner ensemble. Vous comprenez, non? Analyser ensemble. Est-ce que vous comprenez? Voilà. J'entends un peu partout dans la toile que oui, il y a pas tous les Konyankés, hein? Pas tous les Konyankés, mais les communicants Konyankés. Les communicants Konyankés qui se disent Konyankés, là. Je veux que vous les taguez pour moi, vous les invitez pour moi. Et je vais les faire. Je veux. Yeah, big up for you. Rastafari, big up. Yeah. Je veux que vous les appelez pour moi, d'écouter mon message. Parce que partout, un peu partout, j'entends sur la toile que les communicants Konyankés viennent dire que oui, que le Konyanké, les Konyankés, un Konyanké au moins, un Konyanké n'a pas peur de la guerre. Partout ça crie, un Konyanké n'a pas peur de la guerre, un Konyanké n'a pas peur de la guerre. Bon, boclate. Un jour, je me suis discuté avec un Konyanké. Jusqu'à je l'ai dit, s'il vous plaît, allez-y vous attaquer à les soussous. Allez-y, vous attaquez à les soussous, comme vous êtes des Konyankés. Vous n'êtes pas peur de la guerre, là. Allez-y, vous attaquez à les soussous. S'il vous plaît, moi, je lance un message pour vous, les Konyankés. Pas tous les Konyankés, mais pour vous, les communicants Konyankés qui viennent dire sur la toile que oui, un Konyanké n'a pas peur de la guerre. S'il vous plaît, allez-y, vous attaquez à les soussous. S'il vous plaît, allez-y. Où est-ce que vous attaquez ce soir, ma? Nous, on va vous montrer que nous les soussous, on craint rien. Parce que pour vous, les Konyankés, que les Afinkari Moussouma, Konyanké, na Konyanké, boum, Finkari Moussouma, et na Konyanké, Misséba, Finkari Moubal Moussouma, ouais, c'est vrai. Mais nous, les soussous, là, on n'a pas besoin de ça. Tembera na montagne, mouna sorti, la rima, face à mini rountagi. Tembera na montagne sosui, talias, mouta mou besoin de finkarima. Tembera montagne, nous les soussous, tembera montagnera. Tembera mounira. Et je vois, comment il s'appelle, le président de l'Assemblée, qui est Amadou Damarou Camara. Amadou Damarou Camara, il s'est arrêté devant la masse, il a dit qu'un Konyanké n'a pas peur pour la guerre. Mais moi je comprends bien comme Alhamdoulilah, si quelqu'un dit quelque chose, il faut toujours comprendre l'inconvénient de ses propos. L'inconvénient de ses propos, c'est quoi, monsieur Damarou? Il s'adresse à les Malinkés, mais les Malinkés n'arrivent pas à comprendre. Il s'adresse à les Malinkés. Il cherche à effrayer les Malinkés à cause de pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez son style? Il s'adresse à les Malinkés parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il s'adresse à les Malinkés. Comment il s'appelle? Le ministre de... Je ne sais pas, quel docteur Gane ou bien quoi. Je ne sais pas, je ne connais même pas son poste. Est-ce que vous comprenez? Il s'adresse à les cadres Malinkés. Mais comme certains communicants Konyankés n'arrivent pas à comprendre son slogan, c'est pourquoi il veut généraliser. Quand vous, les communicants de Konyankés, là, vous généralisez les choses de la toile, nous, on va vous éclaircir. Très simple, on va vous éclaircir les choses sur la toile.
Comme vous aimerez dire tout le temps que oui, un Konyanke n'a pas peur de la guerre, moi je vous supplie, allez, Osiga, Osewo, attaquez, Sosuema, allez, nous on va vous montrer que oui, un souci est égal à quoi en Guinée. C'est ça, c'est fini. Mais c'est pas sur le réseau social, sur Facebook, que vous venez dire que oui, un Konyanke n'a pas peur de la guerre. Un Konyanke, ouais, demandez Libéria ou bien. Vous qui dites pas tous les Konyanke, mais vous les communicants Konyanke qui viennent dire sur la toile que oui, un Konyanke n'a pas peur de la guerre. Vous êtes des ingrats, des inconscients que vous êtes. Un Konyanke n'a pas peur de la guerre. Pourquoi vous avez fui au Libéria? Pourquoi vous avez fui là-bas? Pourquoi Ouagine est libéré à 90, 94? Ouagine est là. Ouagine est là. Donc, moi, je comprends bien. Si le président de l'Assemblée, Amadou Damaro, dit que oui, un Konyanke n'a pas peur de la guerre, moi, je pense bien que ça s'adresse à les cadres malinqués. Parce que les cadres malinqués n'arrivent pas à comprendre. Les malinqués et les Konyankés, je vais vous dire leur. Leur système, quoi. Un Konyanke n'a jamais confiance à un Malinké, quel que soit quoi. Quel que soit quoi, un Konyanke n'a pas confiance à un Malinké. Il ne croit pas un Malinké. Et un Malinké aussi traite un Konyanke comme des rebelles. Les Malinké traitent les Konyanke comme des rebelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est en ce cas, président de l'Assemblée, il vient sur la toile, dit que oui, un Konyanke n'a pas peur de la guerre. Bamboklate poussi. Un Konyanke n'a pas peur de la guerre. Ça, moi, on a compris. Peut-être la parole là, c'est pas pour nous les soussous. C'est pas pour les peuls. C'est ni pour les forestiers. Mais je comprends que la parole là, c'est pour les cadres malinqués. Mais les malinqués n'arrivent pas à comprendre. Et vous, les Konyankés, les Malinkés, vous vous utilisez comme des rebelles. S'il y a la guerre, les Malinkés poussent les Konyankés. Non, les Konyankés n'ont pas peur. Même si tu viens sur la toile, sur le réseau social, tu dis qu'un Konyanké n'a pas peur de la guerre. Regardez, il n'y a que des Malinkés qui viennent commenter. Il n'y a que des Malinkés qui viennent dire que oui, c'est vrai, un Konyanké n'a pas peur. Mais un Konyanké n'a pas peur de la guerre depuis la Guinée est la Guinée. Est-ce que les Konyankés ont provoqué une communauté? Non. Ils ont toujours respecté les communautés. Idem que les autres communautés. On a tant vivé ensemble dans l'harmonie. Si aujourd'hui, à cause de votre président de l'Assemblée, que les communicants, pas tous les Konyankés, mais seulement les communicants Konyankés viennent sur la toile de dire que oui, un Konyanké n'a pas peur de la guerre. Je vous demande pardon. Allez-y vous attaquer à nous les soussous. On va vous montrer que en Guinée là, nous on n'est pas égal à quelqu'un là-bas. Parce que quand tu prends, vous m'excusez pour le terme, vous m'excusez trop. Quand vous prenez les Konyankés en Guinée, je pense bien et je crois bien que les Konyankés n'arrivent même pas à 10 000 ou bien 12 000 personnes, quelque chose comme ça. Mais comment est-ce possible que vous pouviez appeler votre communauté à la violence en Guinée? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Dès que tu regardes Facebook seulement, tu vois les communicants konyankés qui appellent à la haine, qui appellent la communauté konyankée à la haine, à la violence. Un konyanké est égal à quoi? Mon frère, arrêtez. Arrêtez, j'ai suivi un live d'une sœur Konyanke. Une sœur d'une Konyanke. Et un Konyanke a appelé son live. Il a dit, ouais, nous les Konyanke, on est comme ça, on est comme... Mais où on va? Où on va? Mais quand tu prends les villes Konyanke, il n'y a que 5 villes Konyanke. Quand tu prends les 5 villes Konyanke, là, il n'y a même pas 2 soussous là-bas ou bien 3 soussous. Je vous dis... Essayez de partager la vidéo maximum la famille, s'il vous plaît. Essayez de partager encore. Partage encore. L'heure est très grave, s'il vous plaît. Yeah. Quand tu prends la ville, toute la Guinée, je vous dis, toute la Guinée, il n'y a que 5 villes, 4 à 5 villes Konyanké qui sont en Guinée. Est-ce que vous comprenez 5 villes. Mais les 5 villes là, est-ce que vous pouvez appeler les 5 villes là à la violence contre les autres communautés? Moi je dis non. Moi je dis non. Mais quand tu viens chez nous en basse-côte, de Kassa,
jusqu'à jusqu'à la frontière. Jusqu'à la frontière. Au moins, tu peux faire sortir au moins 8000 Konyanké ou bien 7000 Konyanké. Mais comment est-ce possible que vous vous dites que oui, un Konyanké n'a pas peur de la guerre? Un Konyanké n'a pas peur de la guerre. Où vous avez vu ça? Ça, c'est en Sierra Leone ou bien Libéria. Même ça aussi, vous n'avez pas terminé la guerre. Vous avez laissé fuir la guerre là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi qui vous parle là, j'ai des cousins Konyanké. J'ai des cousins Konyanké, tels que Sekou Kourouma, tels que Ali Kourouma. Vous comprenez, non? Donc, on est mélangé en Guinée. Arrêtez d'appeler la violence en Guinée. Arrêtez. Arrêtez, la Guinée est une famille. Quand on dit que la Guinée est une famille, essayez de comprendre la sens. Donc, je vous parle. Essayez de comprendre. Est-ce que vous comprenez? Le président Fanfaron, un président alphabète, inalphabète, je ne sais pas quoi dire. Comment est-ce possible qu'un président de l'Assemblée peut dire que oui, comment on dit? Sambenu, avant d'aller faire l'intervention sur l'axe, il faut des chars de combat. Il faut des chars de combat. Mais comment est-ce possible qu'un président de l'Assemblée peut traiter sa population, son peuple comme ça? Sambe nous reste intervention là-bas de faire achat de combat dans ton gorasse ga axe qui. On a maintenant imaginé des dit. On a maintenant imaginé des dit. On a maintenant imaginé des dit. Président de l'Assemblée Rana Modo li souhaite à la population ben va faire achat de combat dans ton go. Achat de combat ton go ma mina rema bombe clate pousse ma da foka na mere na na munta munaki. A fallait communiquer ben ramine rang répondre ou bien rang combi. Tu comprends non? Voilà. Au comité ma Facebook ma aranya roma bombe clat blat clat monta ma sema ou ben monta de barrière ma radé il fa sur la toile une wo non c'est pas ça. Nous on fait la réaction. Voilà, pour nous là c'est tic au tac. Pour nous là c'est tic au tac, c'est pas demain. Donc hey, les gars, vous les communicants Konyanké, vous les communicants Malinké, du parti au pouvoir d'Alpha Condé là, pas tous les Malinké, hein. Voilà, pas tous les Malinké, mais vous les communicants là, vous les communicants, parti au pouvoir, ou bien pour votre président de l'Assemblée, si vous voulez que nous, les soussous, les communicants soussous, on s'adresse à vos cadres, dites à vos cadres de dégager chez nous. Vous êtes même pas honte, vous les communicants Konyanké. Vous venez communiquer pour Amadou Damaro. Qu'est-ce que Amadou Damaro a fait pour vous? Regardez le village d'Amadou Damaro. Il n'y a même pas un hôpital de 3 étoiles. Même pas un hôpital de 3 étoiles. Bombe clate. Vous venez communiquer pour être président ou bien être quoi. Madafoka poussi. Attends, nous on a calculé des dix. Attends, nous on a calculé des dix. Amadou Damaro, il travaille chez nous en basse-côte. Si vous ne voulez pas qu'on parle à Amadou Damaro, dis à Amadou Damaro, le président de l'Assemblée, de dégager chez nous en basse-côte. Mais en tant qu'il est chez nous en basse-côte, nous, on va l'adresser nos quatre vérités. Mouna Fala Manaba, afin de tuer qui? Si vous les communicants RPG, là, pas tous les, quand je dis RPG, c'est pas tous les Malinké qui sont en RPG. Non, parce que moi, je connais déjà, je vois quelques jeunes Malinké qui se battent pour la démocratie guinéenne. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je dis les communicants de RPG, ça veut dire que les communicants de RPG, c'est vous, je m'adresse. Quand vous voulez pas qu'on s'adresse à vos dirigeants dirigés là, dites-leur de dégager chez nous en basse-côte. Et rectissimons, on y est. Il t'en a fallu. Awomouama, mon gars, il faut les bérer rectissimons, on y est. Est-ce que vous comprenez? Que nous, on n'a pas besoin d'eux. Mais vous n'êtes même pas honte. Vous êtes tellement bête dans la tête. Comment est-ce possible que vos cadres viennent travailler chez nous en basse-côte? Ils prennent l'argent chez nous en basse-côte. Ils construisent chez nous en basse-côte.
Ils oublient chez vous. Un amouroignement, même un petit hôtel, hôpital, ils n'arrivent pas à construire. Quand tu prends la Haute-Guinée, qu'est-ce que vos cadres ils ont construit là-bas? Rien. Ils n'ont rien construit. Mais plutôt, ils ont construit en Basse-Guinée. Vous n'êtes même pas la conscience de dire à vos cadres que hey, papa, arrêtez de construire ici. Il faut rentrer chez nous. Il faut aller construire chez nous. Il faut aller construire les hôpitaux chez nous. Quand tu prends le village de Amadou Damarou, Inasigana, même l'opération, s'il veut faire l'opération, faire avoir au capital Nankoui. Idem que Haute-Guinée. Mais si nous on est là pour défendre l'intérêt du peuple guinéen, vous pensez que nous sommes des ethnos comme vous? Nous ne sommes pas des ethnos. Nous ne sommes pas des ethnos. Mais plus tard, si vous ne voulez pas qu'on s'adresse à vos cadres là, dites à vos cadres de dégager chez nous. C'est ça qui est la vérité. Il n'a qu'à dégager chez nous. Il n'a qu'à aller construire les ministériels un peu partout, Haute-Guinée, un peu partout. Vous comprenez, non? Il n'a qu'à aller construire là-bas. Il n'a qu'à aller construire là-bas. Il n'a même pas construit, il n'a qu'à aller construire là-bas. Quand je vois les communicants de RPG, honte à vous. Vous les communicants de RPG, regardez Cancan, quand ils ont publié une école à Cancan, le mois passé, quand ils ont publié une école à Cancan, il n'y a même pas de tableau blanc dans les classes différentes, même pas. Nous ne sommes pas des soussous, nous ne sommes pas des malinqués, nous ne sommes pas des peuls, nous ne sommes pas des forestiers. Etc. Mais nous sommes juste des Guinéens. S'il y a la vérité, il faut qu'on accepte la vérité. Il faut que le président de l'Assemblée arrête de dire à les Guinéens qu'un Konyanké n'a pas peur de la guerre. Un Konyanké n'a pas peur de la guerre, c'est où ça? Peut-être c'est ailleurs, c'est pas en Guinée quand même. Hein? C'est pas en Guinée quand même, parce qu'en Guinée, les Konyankés, ils ont respecté toutes les communautés. Toutes les communautés, en fait. Ils ont respecté toutes les communautés. Toutes les communautés. Mais Amadou Damarou vient. Il n'a même pas honte. Le président de l'Assemblée, honte à vous, monsieur le président de l'Assemblée, honte à vous, je vous dis. Vous prenez l'argent quotidien, vous partez pour déposer ça à la Banque Occidentale. Après, vos communicants viennent dire que oui, Amadou Damarou, oui, un Konyanké n'a pas fait de la mort ou bien la guerre ou bien quoi. Honte à vous, prenez l'argent, allez-y construire chez vous. Au lieu d'aller mettre ton compte bancaire en Occident, quand tu meurs, qui va récupérer ton compte en Occident? Personne. Mais comme la méchanceté en train de régner dans vos veines, c'est pourquoi prenez l'argent quotidien d'aller mettre en Occident. Sinon, tout simplement, vous pouvez construire des hôpitaux en Haute-Guinée. On n'a pas contre ça. Parce que si Cancan est construit, si Kérouani est construit, si etc. Sigiri ou bien etc. est construit aujourd'hui en 5 étoiles ou bien même en 3 étoiles, on est fiers. On est fier de ça. C'est ça que nous voulons. Nous, on n'est pas là pour combattre quelqu'un, un individu. Non, on est là pour combattre le système. Le système pour appauvrir les Guinéens. Le système pour rendre les Guinéens comme un petit Momodou. Un Guinéen n'est pas un petit Momodou. Un Guinéen doit se sentir fier de l'Afrique. C'est seulement la Guinée qui a eu son indépendance totale, 100%, sans collaborer avec les autres pays, démagogie. On n'a pas négocié pour notre indépendance. On n'a pas négocié notre indépendance. Donc un Guinéen doit être fier partout. Mais aujourd'hui, un Guinéen est rabaissé partout. J'ai voyagé un peu partout. Mon passeport guinéen, l'autre fois, j'ai été à Kenya.
qu'est-ce que les Kenyans m'ont fait à l'aéroport? Ils m'ont conduit dans leur salle de l'attente d'aller visiter, vérifier mon passeport guinéen. Vous voyez ça anormal? C'est normal ça? En tant qu'un Guinéen, c'est normal ça? De prendre un frère, de lui conduire à la salle d'attente, de contrôler. En tant que j'ai payé le visa $25, j'ai payé le visa $25. Ils m'ont dit, non, il faut que tu attends ici jusqu'à 45 minutes. 45 minutes, j'ai fait 2h30. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi maintenant? Il faut que ça s'arrête en Guinée. Il faut que ça s'arrête en Guinée. Il faut que les communicants konyankais là, les communicants konyankais, il faut que ça s'arrête. Il faut que vous arrêtez à appeler les gens à la violence, de dire qu'un konyankais n'est pas peur de la guerre. Un konyankais n'est pas peur de la guerre. Mais allez-y vous attaquer à les soussous. Allez-y vous attaquer à les bascotiers. C'est là-bas qu'on va comprendre que oui, vraiment un konyankais n'a pas peur. Oui. Mbara nkali wona siga wona sa wo attaquer sosie ma bascote nya. Ntangunde mbuda na ndoro ma wobe. Mbuda doko wobe nsiga dunia de fana awoma katana flama partout dans le monde entier que oui, moi je ne suis pas soussou. Je suis konyankais. Mais allez-y nous éprouver d'abord que oui, un konyankais n'a pas peur. Nata mon big up ça ma woma yakosi. C'est pas de la bouche gueuler sur le réseau social que oui, un konyankais n'a pas peur. Tout le monde sait que oui, les konyankais sont nos frères. On est des frères. Mais arrêtez, il faut un certain moment, il faut arrêter. Un certain moment, il faut arrêter. Un Guinéen n'a pas peur. Pas seulement un Konyankais, mais plutôt un Guinéen. Un Guinéen n'a pas peur. Un Guinéen n'a pas peur. Partout dans le monde entier, un Guinéen n'a pas peur. Dès que tu vois les Guinéens en Occident, tu vas... Et Tangundina comprend, oui, lui c'est un Guinéen. Que ça soit Peul, Malinké, Forestier, Soussou. Dès que tu vois un comportement Guinéen seulement, tu vas comprendre directement que oui, l'intéressé il est Guinéen. Mais cela ne dit pas que oui, on n'a pas peur de la guerre. Non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Est-ce que vous comprenez, fille? Arrêtez. Donc vous, à Wamoua Mamunga Wayang, aura cadre bé. Aura cadre konyanke bé, aura cadre maninke bé, wa faleke na e koro. Que les bascottes iront sur Rouen, parce que moi je pense bien que la Guinée est divisée en quatre régions naturelles. Les quatre régions là, je pense bien que la bascotte appartient à les bascottiers, la moyenne Guinée appartient à les peuls, la haute Guinée appartient à les malinkés, la Guinée forestière appartient à les forêts. Mais en général, personne n'est plus que l'autre en Guinée. On est tous égaux. Il faut qu'on comprenne cela. Donc, Amadou Damarou, il ne faut pas dire que oui, le directeur de la police Bomboclate, comment il s'appelle, Ansoumane Camara, il est konyanké, je ne sais pas qui, Fabou Camara, il est konyanké, le directeur de quoi, de l'armée, il est konyanké, c'est les konyankés qui gardent les armements guinéens, Bomboclate pousse. Non, on s'en fout de ça, si vous voulez voir la vraie colère guinéenne, après Alpha Condé, s'il vous plaît, Amadou Damarou, s'il vous plaît, après Alpha Condé là, viens jouer le pouvoir guinéen. Viens, tu vas nous blaguer. Viens, tu vas réclamer seulement le pouvoir. C'est le jour là que tu vas comprendre que oui, c'est pas seulement un konyanké. Un Guinéen n'est pas peur. Un Guinéen n'est pas peur. C'est ça la vérité. Après Alpha Condé, viens demander le pouvoir. Oui, après Alpha Condé, que la constitution guinéenne, après le président, c'est le président de l'Assemblée. S'il vous plaît. Damarou, après Alpha Condé, viens prendre le pouvoir, s'il vous plaît. Si vous êtes homme. Vous êtes homme, après Alpha Condé, viens demander le pouvoir. Tu vas comprendre que tu vas connaître que qui a mis l'eau dans Coco. Ouais. Yanga mago muntan be paraka paraka na palam pala enum fa enum paraka paraka kama.
Voilà, donc les gars, soyez vigilants et comprennent que la Guinée, c'est une famille spirituellement, pas physiquement, parce que physiquement déjà on est dispersé, on est divisé. On a affaire avec une jeunesse inconsciente, une jeunesse ethno. Ok, Fori, non, c'est pas. Quand je parle, c'est pas. Fori Abdul Kaba, c'est pas parce que je suis impoli. Vous m'excusez pour ce thème. Mais il y a certaines personnes, quand tu parles, il faut que tu parles en tant qu'un homme. Il ne faut pas parler en tant que. Tu comprends, non? Voilà, sinon je ne suis pas énervé. Je ne suis pas énervé de tout. Merci pour ton passage, Fori. Big up. Est-ce que tu vas comprendre? Donc, essayez de comprendre que oui, la Guinée est une famille. Est une famille. Spirituellement, pas physiquement. Parce que physiquement, nous tous, nous sommes des hypocrites. Nous sommes des hypocrites. Donc, essayez de comprendre cela. Le président de l'Assemblée, le faux président de l'Assemblée, dites à des communicants que oui, Diaroul Bangoura a fait la vidéo. Allez-y l'insulter. S'il vous plaît. Il faut le dire parce que l'autre a dit que c'est le président de l'Assemblée qui lui a donné 1000 dollars de venir insulter la maman nationale. Notre soeur, notre grande soeur, notre maman, qui est Rai Memnatoulaye Conté. Ce n'est pas moi qui a dit. Celui qui a insulté et celui qui a donné l'argent, c'est lui qui a dit à les gens que oui, que c'est le président de l'Assemblée qui lui a donné 1000 dollars pour l'insulter. Donc, s'il vous plaît, il faut donner encore 1000 dollars à les gens pour venir m'insulter. Moi, je vais vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Ntan Bemba a appelé Robert. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Mario n'a pas comme réseau, ma bé. Ni n'a pas comme réseau, ma bé. Il n'a pas comme bébé, ni n'a pas comme mon bébé, ma jamais.